Dans ce coin du champ de Mars, il y a comme un vide. Il manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Suzanne, une statue que nous cherchons aujourd'hui désespérément. Cette statue représente une jeune et jolie femme qui prend son bain. Elle est en marbre blanc et fait 2,20 m de haut. Elle s'appelle précisément la chaste Suzanne, en référence au célèbre récit biblique de Suzanne et les deux vieillards, une histoire qui a été utilisée au fil des siècles par de nombreux artistes, car ils s'en servaient comme prétexte pour pouvoir peindre des nus. Notre Suzanne a été inaugurée en 1927 sur le champ de Mars, tout près de la Tour Eiffel. Sur cette photo, prise de la Tour Eiffel précisément, on voit qu'elle domine un petit bassin rempli d'eau. L'endroit est somme toute charmant. Mais la sculpture a commencé à avoir des problèmes dans les années 80, période où elle a été taguée et couverte de graffitis. Donc un jour, on a décidé de la retirer du champ de Mars pour la restaurer sans doute. Des copies en plâtre et en bronze ont, semble-t-il, été faites. Mais voilà le coup dur, c'est que Suzanne n'est jamais revenue sur le champ de Mars, ni l'une de ses copies. Du coup, le bassin n'a plus été mis en eau et on se retrouve aujourd'hui dans une situation bien triste, pas de statue, pas d'eau dans le bassin. Certains pensent que Suzanne dort actuellement dans un quelconque entrepôt de la direction des affaires culturelles de la ville de Paris. D'où notre appel pressant aujourd'hui, est-il possible de la chercher et surtout de la remettre en place? Ce serait pour les promeneurs du Champ de Mars un grand plaisir de la revoir ou de la découvrir. Suzanne, reviens-nous bien vite.